Bonjour tout le monde! J'espère que tout le monde va bien. Bon, j'ai eu quelques petites complications au niveau de mon timer, désolé. Donc aujourd'hui, c'est entraînement d'endurance. Donc comme on avait dit, un petit peu de matériel à prévoir pour aujourd'hui. Donc on aura le temps d'aller le chercher avant qu'on commence l'entraînement. Donc, sac de sport, comme on a dit, on essaie de le remplir avec à peu près 15 à 25 livres de poids. Donc moi j'ai utilisé un détergent à lessive. Si on a des poids à la maison, c'est encore mieux. Donc mon assistante va vous montrer si vous avez des poids ou des élastiques, vous pouvez les utiliser pendant le workout d'aujourd'hui. Ensuite, on va avoir besoin des cannes. Donc encore une fois, on peut varier la grosseur ou le poids. Si on a des haltères, des élastiques, toujours utile. Donc ça, on va avoir besoin. On va aller vous chercher une chaise pour certains exercices pour les adapter et un tapis. Et donc aujourd'hui, très simple, travail d'endurance. Donc on va travailler tous les groupes musculaires aujourd'hui. Workout d'environ 40 minutes total. On va s'échauffer un petit peu. Fait qu'avec l'échauffement, ça va durer à peu près 45 minutes. Donc il faut avoir l'énergie, être prêt. Puis on va essayer de travailler vraiment l'ensemble du corps aujourd'hui. Donc, très simple, aujourd'hui on va commencer avec un petit échauffement. Pour l'échauffement d'aujourd'hui, encore une fois, on va aller chercher doux au niveau du jogging. Et on fait quelques pas. Puis après ça, on va aller chercher. Hop! Hop! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop! Hop! Là, on essaie d'aller chercher de l'amplitude de plus en plus. Hop! Hop! Puis là, on va aller chercher un petit jogging de côté. Là, on va venir chercher à l'extérieur. Extérieur. Petit jogging de côté. Hop! 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 Intérieur. Intérieur. Jogging de côté. Hop! Hop! Intérieur. Intérieur. Côté. Côté. Hop! Intérieur. Intérieur. On peut aller chercher cette rotation des bras. Long. On revient vers l'arrière. Vu qu'aujourd'hui les intensités ne seront pas très très élevées, notre échauffement ne va pas être très très long, juste pour s'activer un petit peu. Puis en plus aujourd'hui on travaille beaucoup beaucoup d'endurance musculaire, donc on a besoin de se fatiguer beaucoup plus qu'il faut. Donc on va aller chercher cette fente rotation, on n'est pas obligé de plier le genou derrière, juste pour essayer d'étirer un petit peu. On a une petite rotation ici, on va relever, rotation, rotation. Action, action, dernière fois, action, action. Donc, voilà, on commence, on sent une petite affaire d'échauffement juste pour activer les muscles comme il faut. On commence avec le bas du corps, donc aujourd'hui on va faire des squats. Surprise! Donc, aujourd'hui ce qu'on va faire, ça va être très simple. Par gros groupe musculaire, ça va être des 45 secondes d'effort, 15 secondes de repos, 4 séries. Puis par petit groupe de petit groupe musculaire, on va travailler 50 secondes d'effort, 10 secondes de repos, 4 séries aussi. On va avoir 8 groupes musculaires à travailler aujourd'hui, donc pour un total d'environ 40 minutes. Donc pour les squats, très simple, comment on va fonctionner? On va aller chercher un squat profond, 3 petits push bas et on remonte. Et on descend après, profond et bas. L'autre alternative qu'on peut faire, on peut utiliser la chaise ici pour ceux qui ne peuvent pas aller super bas, c'est d'aller bas, juste pour se donner un petit temps de repos à chaque fois qu'on dépose. Donc ici on va pouvoir utiliser la chaise. Pour ceux que c'est un petit peu plus facile, on peut utiliser le sac ici pour aller chercher des sumo squats pour rendre ça un petit peu plus difficile. Voilà, donc on part pour des 45 secondes d'effort, 15 secondes de repos. Ouais. Un petit peu de musique. Vous êtes tous prêts dans votre salon ou votre chambre. Passons en 3, 2, 1 et c'est parti pour 45 secondes de squat. Donc petit, 3 fois, hop. 1, 2, 3, 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 hop. Donc là c'est important de garder le dos bien droit. De garder les genoux alignés avec nos talons. On ne veut pas que les genoux sortent vers l'avant, on garde les talons bien au sol. 3, je crois. Il reste 10 secondes. 1, 2, 3. Là, ça va commencer à brûler un petit peu. Ça commence à brûler beaucoup. Vous pouvez prendre des petites pauses entre temps.
Et break. Donc 15 secondes pour se dégrossir un petit peu les jambes. On va avoir 3 autres séries comme ça à faire. Et on va passer en bas. Donc, toujours prévoir une bouteille d'eau comme on a dit. Serviette. 2, 1, et c'est parti. 1, 2, 3, et on monte. 1, 2, 3, grand. 1, 2, 3. Toujours s'assurer que le dos reste bien droit. Toujours aller chercher les hanches le plus bas possible. Un petit bump ici. Il y a le contrôle du mouvement. Les genoux toujours alignés. Hop, on peut s'aider avec nos bras pour l'équilibre. Venir chercher sa proche pour ce challenge d'équilibre ici aussi. 1, 2, 3. Ça commence à brûler un petit peu. 3. 1, 2, 3. Et break. 15 secondes de pause. La moitié de fête pour les squats. Les pauses vont commencer à passer de plus en plus vite. Vous le savez, la semaine passée, on a testé ça. Donc on recommence dans 5 secondes. 3, 2, 1. Et c'est reparti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sur la position, c'est super important. Gardez les talons au sol. Commence à brûler un petit peu. Et break, dernière série. Voilà, je crois gagne. La dernière, on essaie de aller le plus fort possible. Gardez la contraction. Concentrez-vous sur la contraction des jambes. 3, 2, 1, et on est reparti. Chercher nos poids ou nos cannes ici. C'est pour le prochain exercice. On a le temps de prendre une gorgée d'eau. Donc, pour les triceps, on vient se pencher ici. Donc le dos bien droit, si on préfère avoir un pied devant l'autre, c'est une position confortable. Le plus qu'on est parallèle au sol, au niveau de la poitrine, plus ça freine aussi. On vient lever les coudes. 1, 2, 3. 1, 2, et 3. Donc on fait des formes par la fin. On vient chercher alternative. L'autre alternative, ça serait de prendre une pause à chaque répétition. Donc si à la deuxième, troisième série, je trouve ça plus difficile, je peux aller chercher des coudes hauts. On va venir chercher extension. 1, 2, 3, et je me relève. On prend une petite pause à chaque fois. Donc, ça, c'est quand on voit que ça devient plus difficile. Je vais aller chercher vraiment 1, 2, 3, 1, 2, 3, et me repose. Si je suis capable de garder toujours la tension, je la garde toujours ici. Donc, là, on travaille sur des 50 secondes d'effort. On va être capable de pousser un petit peu plus. Donc on part ça dans 3, 2, 1, et c'est parti pour 50 secondes. Donc, bien penché, les coudes bien haut, 2, 3. Et là, je vais vraiment me concentrer pour que mes triceps soient tout le temps contractés. Et 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
avait déjà commencé à sentir un petit peu. Et il nous reste encore 15 secondes d'effort. 1, 2, 3. Donc on revient pas complètement sur les pompes, juste légère amplitude. Après ça, on va venir chercher. Donc encore une fois, je répète, vous avez l'option plus confortable si vous voulez vous pencher. Comme ça. Et break, 10 secondes de repos. En parlant, parlant. Allez, 4 secondes. 3, avance un peu. 2, 1, et c'est parti. 3. 1, 2, 3. Donc assurez-vous que vos coudes restent hauts. S'ils descendent, après, ça ne travaille plus vraiment les triceps. 3, 1, 2, 3. Donc on sort bien la poitrine pour s'assurer que votre dos reste droit. On va déjà bouger pas mal. Max endurance, on va aller chercher vraiment à la fin des réserves de chacun des muscles. Un exercice de chaque, ça va être suffisant pour aujourd'hui. 4 séries, 4 minutes d'effort, donc c'est quand même 16 minutes de travail pour chaque muscle qui est déjà exploré. Et great job! 16 minutes, c'est 4 minutes d'effort. On va passer en 3. 2, 1, et ça passe. Pas beaucoup de pauses, pas très long les pauses. On va rester concentré. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Relâche-toi. 2, 3. 1, 2, 3. N'oubliez pas, hein, si vous voyez que ça devient difficile à maintenir, prenez une pause entre chaque 3 petits bancs. La pause, c'est vous qui voyez ce que vous avez besoin. Sinon, on peut changer les poids aussi. À la pause de 10 secondes, allez chercher des petites cannes de tomates plus petites. 2, 3, lâche pas, 15 secondes encore. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 secondes, lâche pas. Et break, il en reste une seule série. On lâche pas. Top. Allez, 3, 2, 1, et c'est parti. Dernier 50 secondes de travail. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il y en a beaucoup qui vont être raqués probablement. Tant mieux. Donc à rester à la maison, à rien faire, autant récupérer. Lâche pas. Il reste 15 secondes. Dernière série pour celui-là. 3, 2, 3, 1, 2, 3, lâche pas. 1, 2, 3, et break. Good job. Deuxième bloc de fini. 10 minutes de pause. Flexion, 1, 2, 3.
silence me dit de on peut garder la même jambe tout le temps, il change à chaque série. Break, 15 secondes. Là, pour que ça soit plus difficile, je pourrais recommencer la même jambe. Si je veux quelque chose d'un peu intermédiaire, j'utilise l'autre jambe, j'alterne. Donc moi, je recommence avec la même et vous pouvez changer de jambe. 1, et c'est parti. Flexion, 1, 2, 3. Flexion, 1, 2, 3. Et encore poser la tête derrière. Se reposer un petit peu donc, tout le long, mes hanches sont dans le vide, donc je m'assure que mes fesses touchent jamais. Hop. Bien secondes, on lâche pas. 3, 2, 3, allez, crampe, tu relances. 2, 3, on lâche pas. 1, 2. 3, il reste 5 secondes. 1, 2, 3. Et break. On lâche pas, la moitié faite. Encore une fois, on va alterner les jambes. Là, ceux qui n'ont pas changé, c'est le moment de changer. Travaille fort. 3 secondes. 2, 1. Et c'est parti. Une flexion. 1, 2, 3. Flexion. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Ça commence à travailler, hein? On va forcer un petit peu. 2, 1, et break. Dernier, 15 secondes de pause, dernière série. Good job, guys, on lâche pas. Encore une fois, 40-50 secondes pour 10 secondes de pause. Par ça dans 5 secondes, 3, 2, 1, et c'est parti. 3, 2, 3.
Là, regardez la poitrine sortie. J'essaie de ne pas avoir les épaules devant. Regarde les coudes, bien stable. 1, 2, 3. Donc, on veut pas que les coudes viennent en avant ici. On veut qu'ils restent le long du corps. Imaginez que vous tenez deux billes en verre que vous ne voulez pas casser. On les laisse tomber. Déjà, on commence à sortir un petit peu du travail au niveau du biceps. Voilà. 3 secondes. Et break. C'est bon, donc ça, les pauses sont pas très longues. Vous l'avez vu, un petit peu moins difficile aussi pour les abonnés. 3 secondes, 2, 1, et c'est parti. 1, 2, 3. N'hésitez pas à prendre des petites pauses plus longues en bas, ça devient trop difficile. Le but c'est d'essayer d'être le plus constant possible. Relâche-toi. Reste 20 secondes. You know how to peg and chit chat goes. I like R's and B's and O's. I don't really play no tic tac toe. Been with chumps through highs and lows. We seen that last night, they froze. With no cameras, with no pose. Just like that one time at Cello. Good thing, man, we're pulling on phones. Staying big 6'6 with wolves. Man, start dissing and doing repose. Can't do anything except roll. Hey, break. Second, on va te faire. Good job. On va se chauffer un petit peu. Et d'ici la 4ème série, on va sortir comme ça. 3, 2, 1, et ça va. Take all that shit up with P and his goal. I wish you the best, let me know how it goes. Wanna be free and I wanna let go. You came around and you showed us the most. I know so much shit that I cannot expose. I keep it inside and I laugh on my own. Got all the tea and I'm hot, get off. I need a shit matching on rooms, not enough. You're dropping some shit, but that shit was a bust. They got no direction and following on us. I come from a city that they never touch. Your man is a goofy and he keeps on going. On va dire, on s'assure que les épaules restent bien alignées. On veut pas que les épaules rapprochent avant. On reste avec la poitrine bien sortie, les coudes stables. Le long du corps, on ne veut pas que les coudes s'avancent, on ne veut pas qu'ils reculent. Essayez d'aller chercher une extension complète au bout du mouvement. 3 secondes, 2, 3. On garde le rythme, guys, c'est bon. C'est sûr, je ne peux pas trop donner de feedback, je ne vous vois pas, mais. On fait une bonne job. Dernière série, seconde pause. 3, 2, 1, et c'est parti. Là, on teste la relativité du temps. 10 secondes, ça passe super vite. 50, beaucoup moins. I just wanna make these songs for set. I just wanna load that and let that wet. I got so much tape in the stash. Pulled up, anyone done that clash? Got no sense like Jizzle. Big and bad like lead them. Can't do lumps, they get too attached. Don't get broke, and whip get scratched. I'ma just take my knocks and cash. They can never tie me down, that's facts. All that bug, but we know he's a cat. I'ma just come like tat, tat, tat. I'ma just end that thing. Y'en a assez, y'en a assez. Commence à chauffer. Ça va être long. Ça va être long. New car, speed racing, copper crib, need acres. Most of all, we all need prayer. Come, we be with. Last 3 secondes. Allez, un petit dernier. 2, 3. Good job. Un petit workout de fête. Good job, guys. On prend un petit peu d'eau. Donc, pour le prochain, on a deux options. Une option très difficile. C'est un mode push-up, on va descendre 1, 2, 3, puis on remonte. 1, 2, 3, puis on remonte. 1, 2, 3, puis on remonte. Ça c'est pour plus évident. Les deux alternatives pour ça c'est push-up, push-up sur les genoux. Donc l'autre option qu'on a, qui est aussi bonne que je vais faire, et que là ça va être au niveau du poids qu'on va décider, c'est des fly. Donc on va venir. Donc ici, super important, les coudes légèrement liés, descendre les portées au sol avec les bras le plus proche possible du sol. Puis je vais venir 1, 2, 3. Puis là, je redescends. 1, 2, 3. Puis je redescends. 1, 2, 3. Donc ça, c'est l'alternative que mon assistant doit faire. Vous avez le choix entre les trois options. Si
sûr que les push-ups sont vraiment beaucoup plus difficiles. Ça, c'est un petit peu plus abordable en général. Mais ça dépend du niveau de travail qu'on va atteindre. Je vais faire les push-ups. Donc, 45 secondes d'effort, 15 secondes de pause. Je pars 5 secondes. Et break. Job, 15 secondes de pause. Donc là, j'ai activé le pectoraux. Je vais passer à l'autre alternative. Si vous voyez que le push-up a été vraiment difficile, comme moi, là, ça a été tough. Donc, on va changer. 2, 1, et c'est parti. Je peux plier les genoux. La version un peu moins difficile.
Je place ici les genoux collés. Vous venez chercher comme l'action. 1, 2, 3, et j'en descends. Hop, 2, 3, et j'en descends. Ça va? Donc 40, 50 secondes de travail. Seconde de repos. Allez, on passe en 3, 2, 1, et c'est parti. Assurez-vous que le dos arque pas ou arque le moins possible. Encore une fois, on a besoin de prendre une pause. On s'arrête plus longtemps en bas. Et c'est reparti. Allez, comment tu te fais déjà? Lâche-toi, gang. 1, 2, 3.
Donc, pour le prochain, même chose encore. Viens chercher, pencher. Prendre le sac de chaque côté, si j'ai des cordes, si je peux les entourer. Donc, 1, 2, 3, et je laisse aller au complet. 1, 2, 3, je laisse aller au complet. Si je suis pas à l'aise avec la position comme ça, je peux venir me mettre un pied devant l'autre. 2, 3. C'est un peu moins confortable au niveau de la position par rapport au sac, mais c'est plus facile d'avoir le dos droit à ce niveau. Donc, s'assurer toujours la poitrine bien sortie, les épaules reculées, pas du dos engagé, sans les hanches le plus possible. Donc, on ne va pas se retrouver comme ça ici, vraiment avoir les hanches sorties, poitrine sortie, pas du dos engagé. Vous pouvez utiliser soit l'élastique, les haltères, peu importe. L'option plus facile, dans le fond, je vais chercher mes trois pompes, je peux me relever, redescendre, trois pompes, me relever. Ça va? Non. On se prépare, 45 secondes d'effort, 15 secondes de pause. On sort 3, 2, 1 et c'est parti. 1, 2, 3 et on laisse aller. 1, 2, 3 et on laisse aller. 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'aime bien regarder le bas du dos bien engagé. Si tu veux que ça travaille un petit peu dans le bas du dos, c'est normal. On est en tension. Un petit peu en arrière des cuisses, on n'est pas assez flexible, ça dure. On va aller plus fort. La flexibilité. On va sortir tranquillement dans les bras, dans les dorsaux. On se concentre sur garder les omoplates collés en tout temps. On ne relâche pas. Good job. Si vous n'avez pas une bonne prise sur votre sac, ça peut des avant-bras travailler aussi, c'est normal. On est là. Allez, dans 3 secondes, 2, 1, et c'est parti. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, relâche pas. 1, 2, 3, on reste bien penché. Plus on est parallèle au sol, plus on va travailler les dorsaux. 2, 3, top guys, relâche pas, regarde la tension. Tous les muscles sont un peu fatigués. Puis on va aller plus avec du sel. On va nous arrêter juste là après ça avec relâche, pas gagné. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Relâche pas. 2, 3. Relâche pas. Et break. Moitié de fête. Good job. On va être 2. Allez, on reprend dans 5 secondes. On va le temps respirer. 2, 1, et ça passe. 1, 2, 3. Ça sort que les omoplates sont bien collées en tout temps. 2, 3. Good job. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On engage bien les grands morceaux. Les grands morceaux, c'est les muscles de dos. On ne lâche pas. 2, 3. Donc, bien, good job. 20 secondes. 2, 3, relâche pas, vas-y, c'est bon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'était le dernier. Et reste une série, relâche pas, gars, relâche pas. Dernière série, c'est bon encore. On y va pour une dernière. Allez, allez. 3, 2, 1, et on est reparti, les autres. 1, 2, 3, on regarde le rythme, le but c'est d'être constant, si on a besoin de prendre des pauses, on peut se relever. Sinon il reste juste 20 secondes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10 secondes. On relâche pas, 5 secondes. 2, 3, 3 secondes. 1, 2, 3, good job. Et vous en avez juste un, good job guys. Le dernier n'est pas le moindre. Pour moi, c'est un des plus top au niveau de l'endurance.
mais on finit ça bien. Pour le prochain, pour les épaules, les deltoïdes, là je vous conseille de prendre une charge très faible ou même pas de charge du tout. On va chercher une élévation, deux, et on descend. Si on veut, on va aller chercher des petits cercles, deux, trois, et on descend. Deux, trois, et on descend. Je peux faire des points ou je peux faire des cercles. Même principe que pour les biceps et les triceps, si je veux, je peux aller chercher juste un, ça aller chercher l'autre, ça va faire une alternance. C'est le dernier gaz, on lâche pas 4 minutes encore et on peut aller prendre une bonne pause. Bon, 50 secondes d'effort, 10 secondes de pause, on est prêt. On est prêt. 3, 2, 1, et c'est parti les os. 1, 2, 3, et on reste. 1, 2, 3, on garde une petite flexion au niveau des coudes. Juste pour être sûr qu'il n'y a pas trop de tension dans le coude et dans l'épaule. On s'assure que les épaules restent bien derrière, donc on ne veut pas pencher, on garde les abdominaux bien engagés. Assurez d'avoir une bonne posture. 1, 2, 3, on lâche pas, on lâche pas. Le moins de reposer, le plus difficile c'est, parce que j'ai de tension, ça travaille. Si je vois que c'est un petit peu trop, je peux me reposer encore un petit peu avant de remonter. 1, 2, 3. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, 5 secondes. 1, 2, 3. Un petit dernier. 1, 2, 3. Et break, good job. Seconde de pause, ça passe vite. Restez prêts. N'oubliez pas, on peut faire des petits cercles. Allez, 3, 2, 1. Et ça part. 1, 2, 3. Vous voyez que ça peut être trop difficile, vous pouvez le faire sans rien, ça va quand même travailler, je vous l'assure. Vous pouvez faire l'alternative, n'oubliez pas, vous pouvez faire juste un bras à la fois. Pour ceux qui aiment se faire du mal, vous continuez à deux. Regardez une petite flexion au niveau du coude, on n'oublie pas. Pas des mouvements trop brusques, on regarde ça quand même. Contrôlez. Le temps ne changera pas si vous allez plus vite. Ne passe pas plus vite. Bon là, je prends. Regarde les épaules, les abdominaux engagés, break. Ah, c'est fait! Reste 2 minutes, guys. 2 fois 50 secondes. Allez, hop. Allez, on regarde ça. 3, 2, 1. Et c'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Guys, regarde les abdominaux engagés, on ne veut pas pencher dans l'arrière. Regarde les épaules bien droites. On ne veut pas qu'elles se retrouvent en avant ou rien. On peut toujours plier un petit peu. Faire l'extension complète, pas de mouvement brusque. Ça brûle, je sais. Mais c'est ça qui est bon. C'est pas une question de no pain, no gain, mais une question de recrutement. Plus je le sens là où je veux, meilleur c'est pour moi. Je veux le sortir là où je veux le sortir dans les épaules. Peut-être les trapèzes participent aussi un petit peu. Et break. Dernier 50 secondes, rien ne lâche pas. C'est parti. 3 secondes. 2, 1. Et c'est parti. Dernier. 1, 2, 3. Good job. That's it. Ah,
en passer au travers ou quoi? Good job guys, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, j'espère que vous avez apprécié les deux dernières semaines. Donc, vous savez que notre objectif, c'est de vous donner l'envie de bouger, le goût de vous entraîner, d'être régulier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer des petits sondages, puis des petits questionnaires pour savoir comment vous avez trouvé ça, ce qui avait à changer, les commentaires. Ça, on va essayer de vous donner le meilleur produit possible, parce que là, je pense qu'on est poigné encore jusqu'au mois de mai au moins. Fait qu'on va essayer de vraiment vous donner la meilleure qualité d'entraînement possible à la maison. Comme vous le savez, c'est pas notre domaine de spécialité, le travail à domicile pour nous, mais on veut vraiment développer cet aspect-là, puis essayer de vous donner le meilleur contenu possible. Donc on veut votre feedback, donc je vous tiens au courant par rapport à ça. Merci beaucoup, à la prochaine.